Vous parlez pas. Ah bah oui. Ils sont là au sens. Non, connais, pas une idée de rien. Fermé. D'autres locaux. Apprêtez-vous à enterrer les sorciers. Ah bon, ça va bien, je veux. Il va fuir son pari. Amen. Amen. Moi, je cherche sur le chef pour faire une petite démonstration. Et moi, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Si les discours. Pour l'en dans une démonstration. Mais écoute, je vais te montrer la puissance. Et quand je vais te montrer, il y a un sorcier manqué. Il va manquer. Là, vous ne pouvez pas lui crier, il va. La Bible dit que ce qui est en toi. Mais est grand, mais est plus fort. Et qu'un peuple. Amen. Vous avez le Saint-Esprit désormais. Vous n'avez plus à avoir peur des sorciers. On a dit qu'il n'y aura plus peur des sorciers. Amen. 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 Il allait à l'église et puis envoie Jésus. Même pas je vous Jésus. Aller à l'église et même pas je vous envoie Jésus. Le cas Jésus. On a Jésus. Et puis on a parlé. Là, ce n'est pas question de crasser, mais prier pour moi. Est-ce que je marche sur la parole du Dieu? Je marche sur cette parole. Aucun sorcier ne pourra. C'est ce qui fait ma force. Ce qui fait que je n'ai pas peur. Je ne peux pas avoir peur de celui que Jésus-Christ a vaincu. Mais alors je dis ça, non. Jésus a vaincu la société. Oh, Jésus. Amen. La seule chose que tu dois maintenant faire, mais non, non, non. C'est de t'attacher à la parole de Dieu. La Dieu est trop fidèle. Tu abandonnes le Seigneur, il t'abandonne. Et quand le nom de Dieu est où? Et quand tu t'abandonnes, tu es sauvé. Il y a encore un nom de Dieu pour vous tuer. Amen. Allez-y à l'église. Amen. Pas de bon. Mais marchez sous la parole. Mais en allant, on y est, on y est. C'est pour ça que je vous ai suivi les Bibles ici. Mais vous voyez les Bibles, moi. C'est pour ça qu'après ma prédication, je vous ai amené à accepter Jésus, je vous ai dit. Mais quand il est église, et je viens de demander quels sont les hommes de Dieu ici. Le Seigneur s'est présenté sur le catéchisme. Moi, je suis homme de Dieu. Mais je suis évangélique. Je suis pentecôtiste. Je suis de l'église pentecôte. Voilà. Mais on a tous eu les problèmes avec les évangéliques. Catholiques n'ont pas de problème. Mais les plus grands critiqueurs, c'est les évangéliques. Ils trouvent non, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Vous venez là, vous connaissez pas la Bible. Allez, théologie. Bible. Mettez le débat théologique. Et vous la Bible, écoutez. J'ai étudié pendant 3 années avant de finir. Et ici, elle dit, t'as mis. En vous de la pression, venez par les armes. Aïe, elle a encore encore. Vous avez peur. Assolé. Venez les encadrer. Aïe, même si j'ai venu mettre une église dans un village, vous ne pouvez pas vous plaire. Vous ne pouvez pas gagner des armes, vous êtes à la rue. Bon, il y en a qui une question. Non, vous êtes à la rue. Et là, vous les amenez à l'église. Et Dieu, vous êtes à la rue. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire. Je ne suis pas venu faire l'église. Et par nous, je suis venu évangéliser. Et il a dit ça. Vous êtes ici. À la copie. Et puis les gens mangent, les gens. Les quoi. Sorciers mangent. Vous allez. Vous vivez avec dragon. Un dragon pour le second. Vous êtes content. Là, moi. C'est quel évangile ça? La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. La Bible dit, je suis bon nouvelle. Et vous libérez les captifs. La Bible dit, on annonce la bonne nouvelle. Ne vous parlez pas seulement à prêcher. Mais libérez les gens. J'ai dit moi. Non, mais quand laisse l'onction, le ministère de la délivrance dit que tu n'accompagnes pas un ministère. Moi, je ne t'écoute plus. Quelqu'un qui est possédé, quel que soit le message, c'est bon, intéressant. Et vous dites prêche. Quand on sort de l'église, c'est fini l'église. Et moi, la main dans la prophétie. Au pouvoir,
il est possédé. Pourquoi vous avez bien écouté ta parole. Pourquoi la Bible dit ne vous bornez pas sans mal écouter. Mais vous, il y a les mêmes en pratique. Mais il n'a pas d'esprit, c'est lui, il y a un démon. Il a beau prêcher. Il va partir. C'est fini, l'esprit est oublié. Il va se retrouver dans les bars avec les prostituées. Parce que Jésus-Christ est une ville chrétienne. Qu'on a Jésus. Regardez les endroits qu'on ne fréquente pas. Regardez le bien. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. C'est vous qui faites. Que ces petites sorties ont raison. Vous êtes à l'église, vous êtes dans le monde. Vous êtes à l'église, vous êtes dans le monde. Vous vivez la vie du diable. Vous ne vous attachez pas à la parole. C'est cela que vous n'avez pas la vie du diable. On a Jésus. On arrête avec les païens. Et nous, nous c'est vrai? Mais là, va te faire quoi? Tu bois ça pourquoi? Si tes yeux tout, ça va aller mal. Si tes yeux tout, tu vas te tromper de ta femme. Non, il y a un gars, et quand il y a un non pas. Tu trouves que ça n'est pas bien? Il y a un gars qui est joli. Il y a un gars, là. Tu vas aller là-bas. Il y a un gars. Sorcier. Vous, camion. On est Jésus! Jésus. On pratique la parole, on met la parole aux gens. On est con. On est se retrouver dans les conneries. Amen, oui, amen. Amen. Mais je sais qu'il est important pour nous. L'évangélisation, vous confiez les églises. Vous confiez les hommes de Dieu. Ils vont vous encadrer. Vous avez accepté Jésus, je suis amen. 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 Ce que je veux maintenant faire, c'est marcher selon la parole de Dieu. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas une question de prophète Christ. C'est toi. Tout est en ta main. Tout maintenant dépend de toi. Amen. Amen. Dieu vient de te délivrer. C'est qui est venu dans la terre, Dieu? C'est fini, le verre est délivré. C'est fini. Eh bien, le village est délivré. Délivré. Au bien. Alléluia. Amen. C'est fini. Eh bien. Là où on avait caché vos bénédictions, nous avons détruit l'endroit. Et vos bénédictions étaient totalement libérées. C'est maintenant que vous allez prospérer. C'est maintenant que vous serez béni. Parce que c'était vraiment quelque chose de dangereux. Tu rentres, ils ont déjà scanné. Ils ont déjà tout sur toi. Tu vas en Europe, tu vas partout. Et ils ont eu le regard. Nous avons détruit leur poudrière. Nous avons détruit leur dragon. Nous avons libéré le village. C'est maintenant que tu peux procéder. Mais pour rentrer pleinement dans tes grâces, dans tes bénédictions, tu vas aller marcher. Non, selon la parole. Non, 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 non. Marcher selon la parole. Non, 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 non. Amen. C'est ça ma force. Mais là, mais là, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Deutéronome le chapitre 28, à partir de Deutéronome, à partir de verset 7, vous pouvez le dire. Si tu veux que la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu écrasera devant toi tes ennemis. Et non devant toi par un seul chemin. On dit que nous vivons devant toi par ce chemin. Le Deutéronome 28, verset 7. C'est de la même façon. Côté comment tu as donné pour eux. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont accepté Jésus? Alors, oui, j'ai dit bien. Amen. À toi, tu verras quelqu'un se lever le doigt. Et il m'a dit un Dieu, ça va en vous. Tu as fait dénigrer quelqu'un. Et pas de. Oui, les nommés. C'est toi, il regarde. Mon bon ami. C'est lui, moi, il regarde. Moi, je m'en ai. C'est lui, le chef. Va. Moi, le doudou. Le chef, il regarde. Dis-moi, vous m'en avez. Aujourd'hui, là, toi et moi, on fait le dialogue direct. Regarde, moi, la mère, elle est allée, toi, tu vois. Il était nettoyé. Le doudou. Le village sera nettoyé. Le doudou. Vous avez compris ça? Viens, allez. Viens, sans sorcier. Non, non, doudou, il est bon cas. C'est pas possible. Et tu n'as pas un pays ça. Et tu es bien calme dans le bout. Donc
poisson de dégâter, c'est la tête de gâter. Mais quelqu'un vient nous voir qui? Tu la tête de gâter. Non, mais où ça? C'est fini. Le poisson est gâté. Et t'as goûté. Non, il va sortir. Il est bien, allez là. Et de laver. Et le poudre. Allez là. Moi, il est là. Allez, poudre. Je comprends. Et le sorcier dit jamais la vérité. Pourquoi? Enfin, non, allez. Parce qu'il n'a pas un esprit en lui. Allez, comment vous voyez? Allez, mais son père, c'est le père du monde. Allez, il est tout, non, allez. Ce qui est fait demain, si tu as mangé hors terre, et quand tu as fait le bébé, c'était trop gros. Et moi, je suis en train de préparer la consécration. Et moi, je suis en train de préparer la consécration. Je vous assure, et ça vient, je parle. Et toi, tu vas dire ça. Dis moi, je vais dire ça. Tu dis pas, mais. Je vous dis, il y a des mots. On dit. Il y a des grands mangeurs d'âme ici. Non, on croit pas, mais on voit les cons. On est. On croit les mérites. On dit. Mais il y a bouclé, on a bouclé. Tu vas attendre. C'est fini. C'est tout le monde. Amen. Je vous dis, on est les mérites. C'est qui? J'en sais quoi. On dit, c'est qui? C'est qui? Parlez, parlez. Il fait malin sur ton territoire. Non, il faut changer de quartier dans le camp de Jésus. Et son territoire est fait malin. Et comment vous voulez un il dit manger de la tête. On est comme il y a un qui est fâché, il veut m'attaquer. Bon, celui qui est sorti, il a qu'à attaquer. Oh non, vous avez envoyé, mais un peu. Isaïe 54, verset 17, il dit Isaïe, mon Dieu, c'est toi. Comment moi, derrière les gens, pourquoi avoir peur des sorciers? Il a envie, vous avez là. On y a de quoi? Donc c'est quand ils vont au village qu'ils gênent. Ah, mon corps, on boumé, j'ai prié, toute la nuit, j'ai prié. On boumé, j'ai dormi. De toi à moi qui va sortir des maisons, c'est toi qui voilà, va sortir des maisons. Voilà, mais avant de faire tu vas pas dormir. Non, moi, là, c'est le feu qui est rentré dans ta maison. Oh, non, mais j'ai vu. Amen. Ah, je dis qu'il y a quoi, qui quoi. Amen. Amen. Le village sera conforté. Bon, la grande, allez, la grande. Nous, c'est quand nous sommes dans nos villages, c'est pas où on va, où on va. Il est bien dans la maison, il est dans la maison. Vous pouvez vous dire, c'est quoi, on passe où? Ah, pourquoi appelle là? Il est plus beau. Ça va aller, amen. Mais on est là, moi. Vous pouvez nous souhaiter de nettoyer. Ah, bah, c'est un peu, vous pouvez. C'est quoi? C'est important. Bon, et quand vous êtes là, moi, c'est quoi, quoi? Je suis le chef des tribus là-bas. Ah, il est dans un cadre, il dit tout. Je suis le chef des tribus de bataillon. Je n'ai pas demandé votre avis, c'est moi je suis chef. Ah, le chef. Je ne demande pas votre avis, je suis chef. Engagez-vous, il est là. Ah, le chef. Je ne demande pas votre avis. Et il y a bien, il dit. Allez, en acho. Moi-même, je vote moi-même. Ah, il m'a dit, ah, je vais en acho. On s'en va suivre le peuple. D'accord, ça, un peu. Vous allez les manger. Mais c'est quand même que. Vous les mangez. Allez, allez, amen. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu. Mais, allez, la parole. On va nous faire dire amen. Et quand il nous dit, on nous permet d'invoquer le nom du Seigneur. Et de demander beaucoup de grâce. D'accord, vous êtes quand il est. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre du roi. Le, donc, vous pouvez nous arrêter, les gars. J'ai besoin de la lumière. J'espère que ça ne sera pas son ministère ou endormi. Et il a encore un mot, les gars. C'est le ministère de la compassion des âmes. Mais ne veut pas gommer, ou de l'égager. Amen. Notre ministère consiste à évangéliser. Le Messal la Gothi. Et puis détruire les œufs. Le Esami de la sorcellerie. Le jour, la semaine où il n'est pas attrapé sorcier. Mais ma aimé. Et tu crois qu'un gosse dit, je suis pas content. Aidez-moi! Si vous savez, à quel prix?
comment les sorciers détruisent les vies, détruisent les familles, vous allez les combattre chaque jour. Vous allez les combattre chaque jour. Ils sont à 100% dans nos problèmes. 90% à 100% dans nos problèmes. Ce qui t'arrive, ils sont dedans. À Divo, il y a une jeune fille qui avait, qu'on appelle sinusite. La médecine sinusite. Oui, on va remédier la vie chimie. Moi, j'ai connu ce problème. Maladie mystique. Jésus m'a délivré. Ils sont à 100% dans le problème. Jésus ne faisait pas qu'il prêchait sa vie. Le diable s'en fout. Il a peur de celui qui le chasse. Amen. Amen. C'est ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais vous, passez ma point. Libérez les captifs. Vous limitez à annoncer la parole seulement. Vous ne libérez pas les captifs. Libérez les captifs. Les gens sont dans les églises. Ils sont possédés. Tu prêches un bon message. Oh, ils prêchent bien le pasteur. Mais les fidèles ne sont pas bénis. Ils ne sont pas délivrés. Quand ils sont chez eux, ils ont tous les problèmes. Vous les délivrez. C'est un bon travail. Nous avons besoin de délivrance. L'église est faite pour ça. Jésus dit, allons-nous chasser les démons. C'est pour ça que nos ministères, nous allons de lieu en lieu. J'ai dit aux gens, je ne suis pas prophète de Bruce. Je suis dans le village. C'est dans le village qu'il y a un problème. Amen. Oui, c'est un village. Monsieur, il n'est pas chrétien. Il est bon sorcier. Vivait de Belin. C'est à lui qu'on a besoin de parler de Jésus. C'est pour ça qu'il faut évangéliser les villages. Notre problème vient du village. Jésus dit, allez dans un village. Détachez l'anneau. Dites le Seigneur avait besoin. Il faut que les villages soient délivrés. Pour que nos fonctionnaires, nos cadres soient libres de venir dans le pays. Amen. C'est notre ministère. Congéliser les villages. Libérer l'Afrique. L'Europe ne m'intéresse pas trop. C'est quoi pour nous là demain, mais. Il y a un cadeau donc là. Si je suis là, c'est pour aider les gens. Un cadeau qu'on fait. Pour les aider à venir. Un cadeau qu'on il n'y a plus rien là-bas. C'est le problème. C'est vrai pour eux. Là, mais pendant qu'il gagne là, il prend pour toi. Il y a un cadeau là-bas. Nous, on est sur le temps d'économiser. Il y a un cadeau. Il est chaud par là, l'euro. Un cadeau, ça. Il n'y a rien. C'est malin, il vient de faire en Côte d'Ivoire. Oui, il est. Amen. Tu peux rester ici. Tu as fait le cacao. Le cacao bien. Tu as mangé bien. Tu as bien dit. C'est pas la haine de chef. C'est même l'argent. Dieu nous aide. Le ministère consiste à évangéliser. Je suis obligé de te présenter au Dieu. Elle est arrivée de Londres. Oh, Londres. Elle est dans un moment de prière. On aura l'occasion de la présenter. Voilà, elle s'appelle Audrey. Audrey. Elle est arrivée de Londres. Oh, Londres. Elle a de bons shows pour le ministère. Oh, depuis, quand
On s'est connu. Bien, ça, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ok, il faut ouvrir un petit. Parce qu'il y a des gens que Dieu souvent envoie pour organiser le ministère. Elle était une source de bénédiction. On est nous pareil. Et puis c'est un grand source de bénédiction. Le grand c'est quand même pour le coco. Elle est nous pareil. Un grand moment de jeûne. Le bêta quoi délimé. Ou bien les gens ils voient ça sur le net. Souvent ils disent qu'est-ce que c'est vrai. Voyez, il me voit et la qui vient souvent voir. Voyez, qui est battu, qui est cette fille qu'elle a pris ma. Tu sais, j'avais perdu le véhicule moteur. Elle a réagi en même temps. Oh non, 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 non. Elle a soutenu. Oh, il y a un. Et depuis ce temps, on est ensemble. Les équipes, à côté de nous. Va t'asseoir. Il t'a voté. Le sang de Jésus. Et puis, tu as un soir, mon amour. Alléluia. Amen. C'est ce mois de août, on aura beaucoup de personnes. Mais tout le monde, il y a un soir, il y a qui vont arriver de Londres. Un an de nous. Donc je dis salut Privat, tous ceux qui sont déjà en train de s'apprêter pour venir, pour venir nous soutenir ici, le ministère. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Nous prenons la Bible. Et dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, nous le chapitre 3, à partir du verset 16. Le verset 16, vous ne levez pas, levez comme ça la main. Levez-moi. Garde à celui qui va dormir. Un moment, un moment. Allez, vous savez à quel moment l'ange te vous. Amen. Amen. Allons-y. 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Et se présentaient devant lui. Et se présentaient devant lui. L'une des femmes dit. L'une des femmes dit. Pardon. Pardon. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. J'ai accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans ton sein. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Son fils qui était mort. Elle a couché dans mon sein. Dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici. Ce n'était pas mon fils. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit. Au contraire. C'est mon fils qui est vivant. Oui, c'est ça. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua. Nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Oui. C'est ainsi qu'elle parle devant le roi. Le roi dit. Lui dit. C'est mon fils. Qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi quand on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Voici l'histoire. C'est passé pendant que le roi Salomon, Dieu venait d'établir Salomon comme roi d'Israël. Amen. Salomon, le fils de David. David venait de mourir.
Oh, David est bon. Salomon est le fils de Bathsheba. La femme du riz. Il est bon. Voilà, Bathsheba. Elle a d'abord eu un enfant avec à David. Oh, David, il y a un enfant est mort. Le deuxième enfant qui est sorti, c'est Salomon. Et c'est ce Salomon là que Dieu a établi. Moi, la carte. Sur Israël. Israël. Quand David est mort, David est bon. Celui qui a pris le trône. Moi, le trône d'Israël. Oh, Israël. Après sa consécration, il a pris le mot Moïdia. Le mot. Il a offert les mille colles au Seigneur. Oh non. Oh son, là, canon. Imagine une histoire, il était confronté à quelque chose. Le... Il y avait deux prostituées. Qui vivaient dans la même maison. Vous connaissez l'autre, mais... Alléluia. Amen. Vous connaissez bien la vie des prostituées. Elles sont noctambules, elles vivent la nuit. Avant de boire. Bien. Bien. Vin. Whisky. Elles vivaient ensemble. Elles ont pris grossesse. Le il est accouché. Le troisième jour d'autre. Ça veut dire que les enfants sont papa. Et pour la vie, elle est tout en train. Nous allons chez leur mari. Si on a dit un peu bon. D'abord, elle a encore l'étiquette de prostituée. Donc, elle a un peu de temps. Elle a un peu de temps. Avec toi, il n'y a pas de préservatif. Donc, elle est en you, elle est en anglais. Enfant sans propriétaire. Yo, on est tout en train. Amen. Amen. Chose bizarre. Ça veut dire que la vie, elle va les rattraper. La vie. Ouais, vous pouvez, elle va créer problème. Elle est en train. Elles sont allées dormir, elles ont couché. Elles ont pu. Saoulées. Elles sont venues dormir. Comment dormir si un enfant? Ça veut dire que l'enfant a pleuré. Pleuré jusqu'à. Il est mort d'étouffement. C'est coutoukou de ça. Coutoukou de ça. Dis amen. Amen. Mais oui, c'est vrai qu'elle était saoulée. Mais oh non, elle là. Et on pue jusqu'à ce qu'on a dit que c'est. Coucher sur l'enfant. Le repos est là. Elle voulait pisser, ouais. On va tout. L'enfant. L'enfant est mort. Il est fou. Eh, il y a nos oies, attendez, on va faire. On va faire, on va faire. Brrrr. 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 D'accord. Ah, okay. Celui qui va te détruire, c'est celui-là qui te maîtrise. Oh, il est mort. Mon esprit, c'est sur toi. Oh, bon, il a toujours dit aux gens, tu ne maîtrises plus ta maison. Et il est un homme mort. Il est bon, bien, bien fou. Le jour, il y a un coup, ce qui cherche toi, on va appeler, et c'est pas ce qu'il faut, et il y a dans nos vies, tu les maîtrises plus, et il vient quand il me met l'exposer à la mort, et il peut même faire celui qui vient toi, à moi, on va savoir qui il est, et là, il vient sur les ordres, il doit être avec toi, oh là là, on peut, parce que Judas, imagine, celui qui a livré, mon plan, je dis, la prostitution, c'est une vie païenne, et là, il y a, on est là, oui, on est oui, les gens qui ne connaissent pas Dieu, on est là, oui, on est oui, quoi. L'image de la sorcellerie. Son enfant est mort. On est fou. Elle allait changer l'enfant. On est fou. Celui qui vit chez toi. À mon grand-père. Tu sais pas qui il est. Elle a logé. Elle ne maîtrise pas. Il faut maîtriser celui qui vit chez toi. Ce voilà quand je ne l'ai pas parlé, c'est marié. Mais quoi, tu vas quand même venir. J'ai marié, t'as dit, parce qu'il le connaît. Il dit, t'as dit, moi, il y a un. Et ça, il s'envoie pas là, nous. Et moi, un prix de bé. Ah, c'est déjà dit, toi. Il a déjà dit, bon. J'ai marié au soir, parce qu'il est là. Et moi, un prix de bé. Vous vivez les champs. Ah, là, quoi, qu'on a eu. Vous les maîtrisez. Dans les moyens. C'est dangereux. C'est ton truc, mon Dieu. Moi, j'ai gagné un temps. Ah non, c'est l'enfant de ma nièce. Non, non, non. Non, 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 non. Ce sont eux qui vont te livrer. Ah, il a pitié. Okay, elle a envoyé chez elle. Oh non, il est au pied. Cette femme. Non, non. Qui a créé le problème. Moi, la non, oui. Pendant la nuit. C'est bien, vous dites. Au lieu de l'aider. Oh, comment que. Elle a envoyé un problème. Oh non. Au lieu de l'aider. Oh, comment que. Le problème, elle a envoyé. Non, non. D'un coup.
Son enfant va mourir. Le Saint l'a aidé là. Elle va donner un problème à cette vieille. Le péché est capable de troquer ta bénédiction. Il est capable de troquer ta bénédiction. C'est ça qu'il faut être un homme de prière. Tout se passe dans la nuit. Pendant que toi tu dormais, le sorcier de ta maison s'est levé. Allez troquer ta bénédiction. Il a pris ta bénédiction. Il allait faire ça. Pendant que toi tu dormais, il a pris ta bénédiction. Il a troqué ta bénédiction. Je suis réveillé. Regarde. Tout est mort autour de toi. Tout est caché autour de toi. Tout se passe dans la nuit. Et vous pouvez me dire, l'arrestation de Jésus se fait dans la nuit. Et bien, vous pouvez me dire, sans la nuit, il n'y a pas de jour. C'est pour ça que dans la nuit, on commence à 1h du matin. C'est dans la nuit. Qu'elle a changé. Il y a eu un problème. Il est venu dans la nuit. Les sorciers. Ils ont changé ta bénédiction. Tu as envoyé quelqu'un. Que tu aimais. Que tu voulais aider. Regarde aujourd'hui. Ton merci. Ils sont allés vendre ta chance. Ils ont gâté. Elle se réveille. Elle regarde. Elle dit Les gens jouent avec toi. Amen.
Toi-même, tu te réassois dans le miroir. Il me parle, il me dit, mon Dieu. Non, elle, d'accord. Il a fait quoi? Il a ramené nos mains. Mais les mains sont en train de tomber. Les mains, t'as quoi, Bill, là? Mes joues, là, sont en train de tomber. Là, t'as quoi, t'as où? Et puis, tu vois. Là, c'est quoi? T'as quoi, t'as quoi, bien. Et là, ma joue. Ben, t'as quoi? Amen. Amen. Monte à Jérusalem. Mais dans Jérusalem. Alléluia! Amen. Pas de l'Europe! Je veux vous. Posez plainte! Si il y a un instant. Rien, c'est que les sorciers m'ont fait. Regarde! C'est pas bien, c'est bien. Cette femme, elle est parlée à Jérusalem. Dans Jérusalem. Elle est parlée au roi. Oh, mais ça me dit. Nous allons parler au roi. Attends, me dit, c'est dit. Nous allons parler au roi. Attends, me dit, c'est dit. Ils ont produit ta santé. Y'a que qui y'a eu. Ils ont pris. Ouais, bien sûr, on a une maladie. Ils ont pris ta richesse. Ouais, mais ils ont la pauvreté. Non, mais y'a, c'est ton argent. Ouais, tu ne dois pas rester comme ça. Et la personne, tu dois monter ce matin. Et la bâtie, Jérusalem. La cité de Dieu. Et le lavé, tu dois vous en parler. Il n'est pas. Roi. Il est que. Dis ça. Notre roi des rois. Le meilleur, le meilleur. Frère. Oui. C'est le temps de parler. Dans mon mère, quand elle parlait, le roi écoutait. En parlant de bénir, elle a été de cause. Oui, là, oui, là, la solution à ton problème. Viens là, oui, là. Tu as un problème. Et quand, oui. La nuit, ils ont troqué ta chambre. Je veux voir ce qui n'a été. C'est ça que je te conseille, frère. Non, 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 c'est ce qui n'a été. Ne sois pas celui qui dort sur ma main. Non, 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 non. Sois aussi un homme de prière. Non, 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 non. Oui, sois aussi un homme de prière. Non, 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 non. Vous savez, je vous dis une chose. Et quand, oui, ça. J'ai l'habitude d'enseigner. Le jour où vous ratez 4 heures du matin. Non, 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 non. Le jour où vous ne priez pas. Vous sortez de votre maison. Vous êtes exposé à mort. Ah, il perd tout. Pourquoi? Il est quoi? Parce qu'il y a une heure de mon coup. Dans la journée, il y a une heure. Puis où est-ce que je suis là. Ah, quelqu'un, il est quoi? Quand il est quoi? Quand il est quoi? Il est sorcier sans ça. Mais pourquoi il est? Tous ces règles. Il est quoi? On appelle ça l'Europe. Ouais, c'est dit. Amen. Amen. Nous prenons un, allons-y, sauf 119. Le verset 147. Notez ça. Si vous avez dépassé l'aurore. Et quand je dis, puis compris. Je vous parle de l'aurore. Et ça l'aurore. L'aurore. Qui fait la transition. Mais il y a entre le jour et la nuit. Écoute. Guérison à ses bébés. Entre le jour. Guérison. Et la nuit. La ses bébés. C'est l'aurore qui fait passation de service. Mais il y a. Mais il dit quoi. Ça dit, tout ce qu'on fait toute la nuit, non? Ou allez moi. Tout ce qui a été fait la nuit. Et moi, je dis oui. La nuit vient donner ça à l'aurore. Le roi donne ça la journée. Je vais dire, je vais dire. Pour la main d'exécution. Le hasard n'existe pas. Non, mais il est non. Il est quoi? Le psaume 119. Le verset 147. Dans le bas. 147. Et vous êtes très bien. Vous connaissez ça. Les musulmans, ils connaissent ça. Je dévance le roi et je crie. David dit, je dévance. C'est président le roi. Je dévance le roi et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Amen. Vous comprenez? Dévancer le roi. Et pourquoi vous dites? Président le roi. C'est d'abord le roi à 4h du matin. Demandez qu'on vous a demandé à tous les sorciers. Avant 4h. J'ai dit, il faut obéir dans tout mon corps. Et là, obéir, il n'y a pas de même l'ange, allons-y, le ange, le chapitre 32, le verset 26. Regardez l'ange. Ange, Dieu. Jean, Genèse, le chapitre 32, le verset 26. Ah, d'accord. Regardez l'ange parler à Jacob. Ah, d'accord. Ange, Dieu, mais là, Jacob, Genèse, le chapitre 32, le verset 26. Genèse, nous parlons, que les combattants d'aimer. Et ce qu'on entend un peu. Toutes ces règles-là. Il dit, laisse-moi aller, car le roi s'élève. Amen. Amen. Car le roi s'élève. Avant le roi, il doit partir. Et c'est là. N'est plus là. Attends que Dieu a changé l'identité de Jacob. Les sorciers, pendant la nuit, ils programment les choses. Non, il a fait assinat à 17 mars. Moi, enfin, c'est qu'il a été tombé un peu. Moi, on a fait un programme. Moi, on a fait dans leur confrérie. Moi, un bouc à ton nom. La nuit, il y a eu des programmes. Ça, il va en sauver, oui.
Amen. David dit, je précède le roi. David dit, je précède le roi. Il faut que vous le roi. Et il faut que le roi le remette au roi. Et quand vous venez, vous êtes à 10h. Vous avez le réunion. David va mourir à 10h. Toi, tu viens d'abord. Et tu annules le roi. Dis amen. J'annule ça. Et ça n'y est. Et le roi prend, il voit rien. Le dit, le réveillé, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas annulé. Et l'idée, c'est vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute un peu, Job 38. Pour me, Job 12. Regarde comment on est tombé. Job 12, chapitre 3, verset 3. Je vais vous montrer comment avoir la journée gagnée. Et quand il y a un vidéo, vous avez une affaire avec les chats. Ah, oui, et aillez-nous. 38. Depuis que tu existes. Et la Bible dit que depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? As-tu t'as parlé au matin? As-tu montré ta place à l'aurore? Tu as montré sa place à l'aurore. L'aurore doit exécuter ce que moi j'ai dit. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole est une sémence. C'est ça que David dit, je précède l'aurore, je dénonce et je proclame tes promesses. Vous vous levez matin comme ça, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Déjà à 3h30 du matin, tu dois commencer à faire. Et là, je vais vous découvrir. D'abord, même que tu veux, et là, tout ce qui sont programmés, amène sur mon tapis, et c'est j'annule. Et ça n'est la mort. Frère, ça y est, je suis programmé. Regarde le monde. Nuit. Sur ma vie. La oui, oui, j'annule la mort. Et ça me j'annule l'accident. J'annule. Tout dépend de toi. Et bon, oui, mon oui, votre journée là dépend de toi. Mais il est un Christ dit, alors, je vous ai donné le pouvoir. Allons-y dans Matthieu 19, 7, verset 19, c'est ça? 7, verset 19. Matthieu, je me rends compte que c'est une écoute de nous. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Et la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu te liras sera lié. Tu as la clé. Et qu'à ça, maintenant. C'est pour t'en venir avec. Et bien, avec le fond. Et bien, il dit, voici la clé de sa maison. Oh, bien, c'est dans ça. C'est dans la maison de Dieu. Et bien, oui. C'est toi qui le paie. Mon nom, non, pas les années. C'est le fils paie. Mon nom, pas les années. La clé, on sait d'ouvrir. Comme il y a un ayant voulu la carrière. Je te donne la clé. Et il y a un sapé. Tout ce que tu ouvres. Amen, Kaloko. Tout ce que tu ordonneras. Amen, Amen, ordonné. Amen, 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 la nuit quelque chose. Amen, 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 Amen. Ils ont fait quelque chose la nuit. Ouais, ils ont programmé un accident contre toi. Ils ont programmé la mort contre toi. Ouais, c'est toi qui laisses. Les mentir, les gars. Les familles. Seigneur, merci. En Pérou, quoi. On va bien réveiller. Et là, quand là. Ça fait rien. Et nous sommes bien, ça vous dit. Faut te programmer. Seigneur, à maison. Ils ont programmé. Ouais, je vous remercie. Vous écoutez les sorciers là. Et que vous avez on l'a attrapé, on l'a programmé, on l'a programmé. Encore, à zone, mais il est. Et toi, tu dois te programmer. Mais moi, là, ça y est. Nous, on a le pouvoir. Avec un tête, le chrétien, qui dit, a ces deux pouvoirs. On connaît des hommes, qui viennent. Le guillemets, on va prendre des deux. Des hommes, c'est les deux forces. Et des hommes, encore. Que le diable n'a pas. Le diable, il dit, c'est pas délié. Moi, on connaît mon problème. Quand Dieu n'arrache pas. On nous donne mon nom. Nous prions. Aïe, à quoi t'es. Nous t'aimons. Y'a un problème. Dis amen. 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 Dis amen. Amen. Ton appel est dans ton camp. Amen. Et pour moi, et pour moi, c'est pas une question de Jésus. Après, on me donne. Il a déjà donné. Il dit, il est bon. Moi, il est bon. C'est fini. Et comment il est bon? L'ennemi a programmé. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est fini. Et vous dormez. Aïe, amour. Pendant qu'elle dormait cette fois. Mais on va faire quelque chose s'est passé dans le monde. On va faire un il y a eu un troc. Ok, dis ils ont troqué. Ok, dis yo, c'est ça mon problème. Mais ils ont troqué ta chance. Ok, je vous assure, frère. Et ça, vous avez. Qui vit chez vous. Et ça, vous avez. Faites un peuple maîtrisé. Oui, il est. Si vous ne les maîtrisez pas, c'est eux qui vont vous maîtriser. Oui, il est. La même monnaie de ta voix, le diable.
Je suis désolé. Ah, là il est où? Vous expliquez tout. Oui, on attend. Il n'y a plus de secrets. Ah, mais écoute, une fois qu'il n'y a plus de secrets, c'est fini. C'est bien. Pas tout expliqué. Oui, on met ça quoi? Dis amen. Amen. C'est pas tout. Il le jour les marches. Il est bon, il dit au roi. Oh, yo, et le diable, il a envie de toi de l'enfant. Ah, il est dit qu'il est dit. Attends, on va, j'ai dit.